Bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Garry's Mod en mode Dark RP. Et aujourd'hui nous allons faire le vendeur d'armes de guerre. Si vous kiffez le concept, n'hésitez pas à bombarder les likes, à me dire en commentaire quelle scène RP vous voudriez voir dans les prochaines vidéos. Mais le plus important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications les amis, c'est le plus important. C'est parti. Bon allez. Hey, toi là, tu vois pas que c'est rouge? Tu vois pas que le feu il est rouge? Il y a écrit walk là, tu vois. Ouais, pas. Et alors que j'en ai à foutre, maintenant il y a marqué don't walk. Ouais. Attends, ils sont armés là. Que dalle, ils sont armés. Regardez-le lui. Regardez-le lui. Avec son taser là, ça sert à rien, ça sert à rien. Faut tirer à balles réelles là, tout simplement, il n'y a pas d'autre solution. Hein. On est aux États-Unis, c'est pourquoi? Pour électrocuter les gens ou pour leur tirer dessus? Bah, leur tirer dessus. Sinon, on serait dans un autre pays, moi je vous dis. Bonjour, c'est vous qui avez besoin de renseignements? What the fuck? Bonjour, monsieur le shérif, effectivement, c'est moi. Alors, le commandant de la police m'a redirigé vers vous parce que. Voilà, j'ai une petite offre, je vends des armes de guerre et j'aurais besoin de. Bah voilà, de savoir si vous. Des armes de guerre? Oui, des armes de guerre, des armes militaires, mon monsieur. Comment, enfin. Comment ça, quoi? C'est encore utilisable ou juste de collection? Bien sûr. Ah, j'en fais la collection. Oh là là, si vous saviez ce que j'ai chez moi. J'ai des obus. Ah. J'ai des obus qu'on met sur les chars d'assaut. J'ai des obus qu'on met sur des avions. J'ai de tout chez moi. Mais là, tout ce que je viens vous proposer, tout simplement, c'est, je sais pas, pour protéger le commissariat, des anti-aériens, des. Nous, on est assez bien équipés au commissariat. Il y a une cérémonie qui va se passer par la TNPD. Et je crois qu'il n'y a pas besoin de renfort au niveau des armes. Ah, après, comme je disais à votre collègue, il y a pas mal de manifestations en ce moment. S'il y avait, je sais pas, des mitrailleuses lourdes, peut-être que les manifestants y réfléchiraient à deux fois. S'il y avait quelques tirs de mortier de temps en temps dans les villes, peut-être que ça les ferait rester chez eux. Enfin, vous voyez, par rapport au corona, tout ça, on sait jamais quoi. Au moins, ils auraient peur de sortir. Ouais, mais on n'est pas là pour les tuer, hein. On est très informé pour les manifestations. C'est de la dissuasion, monsieur, c'est de la dissuasion. Après, si quelqu'un se jette sur une mitrailleuse et que vous lui tirez dessus, c'est un accident. Attendez. Faut pas déconner, hein. On n'a pas d'armes normalement durant les manifestations. Hein. Bah déjà, je vois, vous êtes sous-équipé, vous, hein, mon brave. Hein. Oh là là, un Glock 17, c'est quoi ça? C'est du 9 mm, ça? C'est quoi ça? C'est pour. Ça, tu mets pas une souris, ça? C'est parce que je reste au commissariat, hein, sinon j'ai une SCAR. Une SCAR? Ah, 5,56. Oh là là, c'est ridicule tout ça. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de vous amener un échantillon. Je sors le camtar, je vous mets un échantillon, je vous mets voilà. Je vous propose quelques armements pour le commissariat. Vous me dites ce que vous en pensez. Je reviens, vous me faites un chèque, vous me le signez, je l'encaisse. Et après, je vois si je vous donne les armes ou non, quoi. Les amis, il y a tout ça. Donc, autant vous dire qu'il y a des putains de bombes. Oh là là. Le mec, il va voir ça, il va rien comprendre. Regardez les flics. Voilà, ça c'est quelque chose de bien ça. Messieurs les agents, vous surveillez que personne ne s'en occupe pas s'il vous plaît. Ah bah il est là. Bah voilà monsieur, je vous l'ai ramené. Je vous l'ai ramené. C'est pas une arme ça, ce que vous m'avez... C'est quoi ça? Ah bah si, je vous ai dit une arme de guerre, démilitarisée. Regardez-moi ça. Ça vous dérange... Oh là là. Bah quoi? Vous m'avez dit de l'amener. Il y a une cérémonie qui se passe, vous allez tous les affoler là, ils vont tous paniquer. Après, je peux vous faire. Je peux, si vous voulez, vous faire un. What the fuck? Un petit test! Regardez! Je vais monter dedans. Hein? Regardez! Non, non, vous. Vous me dites quand vous êtes prêt! Non! What the fuck? Vous voulez que je tire ou pas? C'est faux, c'est pas possible. Vous m'autorisez ou pas? Je vais tirer dans le ciel! Non, mais non! Ok, préparez-vous! Monsieur, s'il vous plaît, on. Monsieur. Non, bah, non. Je fais une démonstration ou je fais pas de démonstration? Vous m'avez dit oui. Putain, le monde qui. Non. Mais non, monsieur, mais comme si quoi, on. C'est quoi ça là? Mais vous nous dégagez ça là, vous. Bah, je croyais que vous vouliez l'acheter. Moi, je vous la vends 400 000. Non, mais. 400 000. On va bien la prendre, mais on va peut-être pas vous la rendre parce que là, c'est. Eh, monsieur, j'ai le droit de vendre ça. J'ai le droit de vendre ça, monsieur. Mais ça va pas, toi. Mon dieu, il est fou. Vous avez le droit, mais rien, monsieur. Là, vous pouvez pas tirer, là. Mais monsieur, j'allais tirer dans le ciel. Vous avez vu un avion passer, vous? Au pire, on aurait tué quelques oiseaux. C'est quoi ce bordel?
Bah, à ce que je vois, vous êtes pas intéressé pour l'achat dans ce cas-là. Merci de me l'avoir fait sortir, ça fait une tonne. Ah, vous êtes un rigolo, vous. Ah bah monsieur, je pensais que c'était une arme d'épaule. Mais je vous ai dit une arme de guerre, monsieur. Je vous ai dit une arme de guerre. Mais enfin, c'est pour protéger le commissariat, ça. Je pensais que c'était une arme d'épaule, une MG42 ou quelque chose. Ah, vous me sortez une semi-remorque. Semi-remorque. Là, il y a des manifestants qui manifestent parce que, voilà, je sais pas, le sucre a augmenté, voilà, au supermarché. Là, vous les pointez avec ça et vous leur dites « Dégagez ou je tire !» et je bute tout le monde. Et là, vous voyez, tout le monde dégage. Hein, ça fait des générations qu'on vend des armes de guerre. Hein. Dites-vous, mon grand-père, il avait une bombe nucléaire chez lui, une bombe nucléaire. Et il l'a vendue à des petits tracas, et là, il l'a vendue pour, je sais plus... une bombe nucléaire ? $200,000, un truc comme ça. Enfin, ça valait pas cher à l'époque. Hein. Oh là là, mais je sais pas ce qu'on fait là. On doit vraiment laisser le truc. Bah là, écoutez, ça m'appartient donc ouais, quand même. Il laisse pas ça. Je l'ai pas utilisé donc ouais, vous me le laissez, je crois bien. Allez. Y'a moyen, prendre une chambre d'hôtel, monsieur. Attends, bouge pas, reste ici. Ok. Allez me chercher les clés, mon brave. Ta mère, toi, aussi. Oh. Putain, il parle à moi là, le jeune. Eh, hey, jeune, t'as vu ce que j'ai derrière le camion attends, là. Attends. Oh putain, c'est quoi cette merde? Ouais, alors me casse pas les cou... Ouais, viens, y'a un mec grave bizarre là, demande au grand de venir là. Oh là, ils vont me foutre un guet-apens, ces enfoirés là. Attendez, je vais me barrer de là. Arrête. Et dégage, parce que je t'écrase. Dégage. Reste ici, toi. Reste ici, je te lâche... Oh, allez. Oh non, non. Dégage de là. C'est accroché à la remorque, il fait quoi là? Hey. Dégage de ma remorque là! Qu'est-ce qu'il fout accroché à la remorque ce con là? Qu'est-ce que tu fous accroché à ma remorque toi, trou du cul? Dégage de là! Bon, là je suis sur un terrain tranquille là. Putain, c'est violent de ouf le machin! Bonjour mon monsieur! Monsieur Rodner, enchanté! Voilà. M2 Browning. Calibre 50. Cadence de tir, 2000 munitions à l'heure. Ah, je peux vous dire, ça bombe. Je peux la tester dans les airs. Ah, vos risques et périls, hein. Ils sont pas là, alors allez-y, tirez en l'air. Okay. En l'air, hein. En l'air. Putain. Mais... Ok, je vous ai pris Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai pris en photo à côté, comme ça, s'ils viennent nous faire chier, au moins, voilà, ils vous agressent, vous. Hein. Bon, bref, vous la prenez ou pas? Comment ça, ils m'agressent, moi? $15,000, je vous la vends. 15 000. Est-ce que je peux la mettre dans mon véhicule? Oh, bien sûr. Voilà, monsieur. Elle est fixée là. Elle est fixée sur le plafond. Ça, c'est pas vrai. Ah, bah, c'est le seul moyen, rentre pas dans le coffre. Ouais, je vais chercher l'argent. Ouais, allez, retirez les 15 000 au concessionnaire. D'accord, je vais pas me faire choper par les... Mais non, ramenez-la chez vous, tranquille. Tranquille. Non mais regardez les flics, ils vont le voir débarquer avec ça, ils vont vriller. Ils vont faire, c'est quoi ça? Ça va bien me servir, ça. Ah bah ouais, vous vous mettez... Regardez. Vous vous mettez là. Là, vous grimpez sur le truc, là. Bon, vous grimpez sur une poubelle. Là, vous grimpez sur le 4x4. Mettez-vous à côté d'une poubelle, surtout, c'est important. Et là, regardez, vous la prenez, et là, pop. Ouh là 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 là! À la prochaine pour une nouvelle vente! Merci d'avoir fait affaire! Hein. Ouais, pas de soucis! À la prochaine! Je vais m'amuser avec! Ouais, ça c'est des missiles! Ça c'est des missiles! J'ai pas envie qu'ils pètent! Merde! Oh merde! Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je posais un missile par terre, je posais un missile Tomahawk par terre, et en fait le missile, j'avais oublié de désactiver le propulseur, donc du coup il est parti en l'air et BAM, il a explosé. Après vous savez, ça arrive, ça c'est des erreurs qui arrivent, hein, même à des gens expérimentés comme moi. Hein. Heureusement qu'il y avait personne. Hein. Ah, même c'est pas des erreurs qui se font, le missile est part en direction de la ville là-bas, vous faites tomber tout un bâtiment. Hein. Ouais, mais non, il était pointé vers en haut. Il était pointé vers en haut, donc tout va bien quand même. Regardez, ça c'est l'exposition qui va avoir lieu. Donc vous voyez quand même, il y a du beau matos. Hein. Il y a des beaux missiles. Hein. Regardez là, le missile qui ressemble à un requin là. Il est pas beau celui-là? Pas spécialiste dans le domaine, mais ça a l'air d'être très puissant. Tout ça. Vous voulez que je vous fasse une petite démonstration? Non, pas besoin, non. Regardez. Ça c'est le dernier que j'ai reçu, ça.
Il est tout petit celui-là, on dirait un suppositoire. Après, il vaut mieux pas s'asseoir dessus. Ah, mais c'est lui qui m'a écrasé tout à l'heure. Et toi là, tu te rappelles de moi ou pas? Eh, tu vas sortir de ma propriété avant que je te foute un poing dans la gueule, toi. Je te le dis direct. T'es sur ma propriété là, trou du cul. Bon, je vais vous demander de sortir s'il vous plaît. Et il m'a craché dessus, vous le dites rien? Rentre sur ma propriété, je te dis! Mais t'es qui toi déjà? Mais comment ça? Rentre sur ma propriété, je te dis! D'accord. C'est quoi ce bordel? Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, c'était à blanc, c'était le suppôt à blanc. Ah, comment shérif, vous êtes là. Bonjour shérif, bienvenue à l'exposition. Comment ça, l'exposition? Il y a un truc qui va juste péter là. Non, il était à blanc. C'était un suppôt à blanc. Venez voir. Oh, il est énorme. Elles sont toutes fonctionnelles. Toutes. Anti-aérien, drone, calibre 50. Tout est fonctionnel, ça. Lance-missile. Donc vous êtes en train de me dire que l'anti-aérien qui est à gauche, là, il est fonctionnel, vous pouvez tirer avec. Ah ouais, je peux tirer si vous voulez, je peux vous montrer, hein. Non, ça ira, mais je suis pas là pour voir... C'est ce qu'on met sur les porte-avions, ça. Écrite que vous avez le droit de posséder ce genre de matériel militaire. Oui, je dois l'avoir, vous savez, moi je fais ça de père en fils, je dois l'avoir, après bon... Normalement, l'État est au courant, hein, l'État entier, donc le gouverneur doit l'être. Je suis un des seuls, quasiment, sur l'État, à être habilité à posséder des armes de guerre. Est-ce que je peux vous faire une petite démonstration, je vous prie? Une toute petite. Non, mais sur le feu d'artifice, hein, sur le feu d'artifice à blanc. On n'a pas le temps pour une démonstration. Sur le feu d'artifice à blanc, ça vous tente ou pas? Même si c'est un feu d'artifice. Même si c'est un petit pétard, on n'a pas le temps, monsieur, d'accord? Vous pouvez pas nous faire une petite. Vous pouvez pas nous faire une démonstration, d'accord? Bon, bah au moins, j'espère que vous viendrez visiter mon musée, quoi. On demande de pas en refaire une, mais bon, comme vous êtes sur votre tegment, sur votre terrain, c'est pour votre prix, vous pouvez. Vous prévenez au moins. Faut payer pour regarder les éléments du musée, je vous prie. Je vais faire un essai, c'est normal, c'est une session au niveau du hangar pêche. Vous me prenez, d'accord? Pour voter que nous, on sait pas qui fait péter, on ne sait pas quoi. Ouais, je comprends. D'accord. Regardez, vous êtes prêts? Écartez-vous un peu. Wouhou! Bordel de merde! Oh là là! Jésus-Marie-Christophe! Ouf! Qu'est-ce qui s'est passé encore? Ah bah, il m'a pété à la gueule. Ouais, c'est quand même dangereux, monsieur. C'est pas possible. Ouais, comme je vous ai dit, c'est comme un pétard, hein, ça tue personne. Mais bon, c'est... C'est violent, quoi. Regardez, messieurs. Celui-là, c'est un des plus beaux bijoux que j'ai, ça. Un des plus beaux. Vous êtes prêts? Vous évitez de le faire regardez, il va pas me péter à la gueule, celui-là. À blanc, hein. Bah bien sûr qu'il est à blanc. Il va pas me péter à la gueule, regardez. Mettez bien de la poudre, hein. Vous avez vu ça? Pas mal, hein? Ouais. Bon, bah, à bientôt. Ouais, bah là... Messieurs, bienvenue au paradis. Voilà. Vous n'avez plus qu'à faire votre choix, et j'ai des trucs sur catalogue. Alors, je vous avais demandé tout à l'heure si vous vendez des petits trucs un peu plus petits que ce que vous avez là, mais vous vendez, on va dire, en grande quantité. Ah, alors, plus petit, non, j'aurais que des trucs d'armes de guerre. J'aurais que des trucs sur pied, moi, donc c'est... Après, si vous voulez qu'on équipe la BMW de fond en comble avec des armes de guerre dessus, ça on peut. Voilà. Mais ça sera toujours des armes fixes. Pas des armes que vous pouvez porter. Voilà. Si vous voulez la voiture de James Bond, je vous la fais, moi. Donc, messieurs, après moi, regardez. Je disais parce que... Là, sur le BM, par exemple, je pourrais vous installer celui-là, là. Regardez-moi ça, là. Je vais vous le faire tester, regardez. Ah ouais, vous êtes prêts? Ah oui, putain, c'est du gros truc, mais vous avez pas un peu plus petit que je peux porter genre, plus petit. Des gros stuff de K47, si vous voyez. Ah non, ça par contre, j'ai pas, monsieur. Quoi, ça. Prendre en photo là-bas. Ça par contre, j'ai pas. Il fait quoi celui-là? Eh, mais ça, on te dérange pas trop là? Bah, je sais pas, mais vous rentrez dans ma propriété comme si c'était chez votre mère, vous, peut-être. Attendez, mais. Oh putain, tu fais du bruit, t'as vu l'heure qu'il est ou quoi? Eh, vous dégagez de ma propriété parce que je vais vous faire dégager, moi. Je vais vous prendre un suppôt. Bon, bordel de merde. Alors tu vas me foutre le camp de là, toi, parce que je vais te trouer comme un gruyère. Dégage de là. Voilà. Je vais reposer ça dans le coffre parce que c'est assez long. Ce que vous avez dans le dos, c'est combien, là? Parce que moi, je vais vous prendre le suppôt, mais si vous avez... Non, ce que j'ai dans le dos, c'est personnel, ça, monsieur. C'est personnel, ça. Je vends pas, ça. Ah, ok. La Browning, c'est à combien, la Browning? La Browning, 15 000, comme je vous ai dit. 15 000.
Allez, ben messieurs. Allez, vous avez déchargé avant pour pas avoir les. Oui, bien sûr. Y'a pas de munitions, y'a rien là. Ouais, je vais mettre. Ok. Voilà. Pas de problème alors. Bah, bonne journée, mec. Ah bah, je vous remercie, hein, bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée à vous, monsieur. Les flics, ils savent pas quoi faire, ils sont là en mode, mais c'est quoi ça? Monsieur, tout se passe bien, chérif. Parler de petites secondes. Bien sûr. Enfin, vu que voyez bien qu'on est là, ce ouais. serait quand même un peu plus futé de votre part de ne pas sortir une arme devant ces jeunes. Oui, alors attendez, vous savez qu'ils sont venus me menacer et me casser les couilles sur chez oui, moi. Oui, on est là. Et là, enfin voilà quoi. Enfin, vous êtes là, mais vous les laissez rentrer sur une propriété privée tout de même. Ouais, on est là. Bah là, on leur dit de partir si ils ne coopèrent pas, s'ils refusent de tempérer, entrave à une opération de police, pardon. Après, comme vous avez vu, j'ai été raisonnable. J'ai sorti la plus petite arme que j'avais en stock. Hein. J'avais quand même pas abusé, ouais, voilà. La plus petite. Ah, c'est la plus petite que j'ai en stock, monsieur. De votre sinon, point j'aurais vue, sorti parce que là, du point de vue de tout le monde, ben non, évitez de quand même éviter de tirer aussi. Ouais, bah oui, je comprends. Les missiles, ok, mais pas éviter de tirer avec les armes. Ouais, je comprends. Les bombes, c'est juste nimp. Ah bordel. Ah ouais, là ça a mal tourné. Encore ça a mal tourné. Qui a fait ça?